Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour ce 12e épisode du Let's Play de Ark Survival Evolved avec Kus qui fait les pompes ou je sais pas quoi là. C'est nous les ramasseurs de caca. Tu sais que t'es bonne en bikini comme ça? Ouais, bah ouais, je suis encore à poil là. Qui c'est qui m'a encore buté hors ligne là, putain? Non, t'étais là, tu dormais là en fait la dernière fois que je t'ai croisé. Tu dormais là, t'es passé dans le sol, je sais pas, j'ai pas compris. Mais t'étais là, j'ai rien fait, je t'assure, t'étais vraiment protégé. Ça commence bien. Bref, alors, comme vous le voyez, la maison s'est considérablement agrandie puisque j'ai farmé les 3 niveaux qui me manquaient pour être niveau 20 pendant 3 heures hein, quand même parce que. Mais tu n'es pas niveau 20, Gadoche. Si, je suis niveau 20. Bah, je vois 19 de mon côté. Comment ça 19? Ah oui, c'est parce que je me suis pas encore mis de niveau. j'ai coupé juste à temps. Alors, sachez que là, j'ai farmé pour y arriver. Je pense que la prochaine fois, on va essayer de gruger. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, nous ne sommes que 2. Résultat. L'XP accumulé à deux, à savoir quand Kus casse du bois, il me donne un petit peu d'XP, genre de choses. Comme là, je l'ai fait tout seul, Kus n'était pas là, Kus n'a pas avancé du tout. D'habitude, on a une grosse team hein, dans ce jeu-là, hein, il faut être beaucoup. Et là, nous ne sommes que deux, déjà, et j'ai farmé tout seul. Donc du coup, tout ça pour dire que c'était juste hyper long. C'est bizarre, on dirait que le mur est un peu décalé. Bon bref, et donc du coup, résultat, la prochaine fois, on va essayer de gruger pour passer directement au niveau 25. Enfin, la prochaine fois, peut-être pas au prochain épisode, mais très prochainement. Parce que vous allez voir ce que j'ai farmé. Alors... La maison qui s'est agrandie, alors vous allez voir ici, voilà, tout simplement c'est full ici de bois. Et je n'ai pas grugé, hein, j'insiste là-dessus, croyez bien que j'ai vraiment farmé comme un dégueulasse. Pareil pour la pierre et le flint, parce qu'il nous manquait cruellement de flint. Ici nous avons le touch aussi au maximum, j'ai dû en jeter hein, tellement il y en avait, voilà. J'ai augmenté aussi le niveau des dinos, hein. J'en ai profité, ils ont augmenté d'un ou deux niveaux je crois, en faisant rien, tout simplement, parce que je les ai pas emmenés avec moi. Donc là, je vous montre un petit peu tout. On a 2 coffres de fibres entièrement. Et alors j'étais. Par contre, Gadu, oui. Je vais porter une réclamation. Oui. Je trouve que tu n'as pas farmé comme un gros dégueulasse. Viens voir pourquoi. Ouais. Il y a un trou là. Ouvre celui-là là. Non, en fait, il y a 2 trous même. Okay, c'est quoi ce bruit là? Oui, il y a 2 trous en fait. J'ai préparé des coffres vides au cas où. Ah, il y a des lunettes là. Dino à lunettes. Putain de lunettes là. Dino à lunettes, Dino à. Branlette. Alors, d'ailleurs, on va essayer les lunettes tout à l'heure là. Ça c'est marrant ça. Alors, j'en étais où moi? Je vous montrais, oui, la fibre. Et donc, j'ai été chercher aussi des coffres. Vous savez, des coffres là, les rayons qui tombent du ciel. J'ai réussi à en avoir 2, je crois. Et grâce à ça, j'ai obtenu quoi déjà? J'ai obtenu un truc formidable, il me semble. Un blueprint. Alors, vous voyez le spark que j'ai ici, que j'ai farmé, hein, à savoir, c'est une pierre, 2 flint. On va voir dans cet épisode à quoi ça sert. Hein. Mais c'était pas ici. Et bah, du narcotique aussi, parce que les baignoires se périmaient. La viande était périmée et les baignoires se périmaient, donc du coup j'ai décidé de faire du narcotique qui lui ne se périme pas. Et du métal que j'ai farmé hein, sur les cailloux avec ma pioche à la main. Voilà, ici, tu as tout raté. J'ai un blueprint de narcotique qui ne sert absolument à rien parce que toi aussi tu es narcotique je pense. Il me semble, moi je l'avais... Alors, je l'avais bah, il me semble que c'est même moi qui l'avais fait à l'époque. Oh putain t'as voilà. Chié. Un paintbrush aussi pour peindre, si tu veux peindre. On fera de la peinture plus tard. Ouais, tu veux peindre du foin? Une maison en foin, tu veux la peindre? Les lunettes, voilà, je vous montre juste rapidement. Ça, c'était vide, on l'avait vu. Ici, nous avons. Alors, j'ai déplacé, voilà, toutes les baies qui diminuent, vous avez vu, elles étaient à 100. Enfin, vous avez vu, non, vous avez pas vu, mais je vous le dis, elles étaient toutes à 100. Elles ont déjà perdu un petit peu. Arrête de chier comme ça. Ici, nous avons t'es toujours vu sortir de ton pantalon, là. Des graines qui ont beaucoup aussi. Qui ont beaucoup augmenté, forcément. Hein. Voilà, et ici, du fertilisateur. What? Attends, le fertiliseur a changé, là. Soit il est perdu. Parce qu'il avait pas cette tête-là, il avait une tête de sac. Comme toi. Et là je déconne. Oh là c'est quoi ce bruit là? Mais arrête, c'est toi qui me frappe en fait. J'entends un bruit, mais sauf que je ne sens rien. Donc voilà, 6 sacs de fertilisants. Et dehors nous allons voir les cultures qui ont un petit peu avancé aussi. Enfin je pense. Alors fais-moi voir ça depuis la dernière fois. Oh voilà. Impressionnant. Il y en a un qui est à moitié, middling. Et le fertiliseur est toujours à 25 000. Par contre les autres vous avez vu, pas fertilisé en fait. Voilà. Donc ils avancent pas. C'est censé donner quoi à la fin, Gadoche? Tu peux nous spoiler hein? Un arbre avec des fruits. Parce que là, un arbre. Donc c'est t'as fait pousser l'arbre pile à côté de la maison. Bah ouais, c'est pour le style, non? Tu voulais que je fasse où? Enfin non, c'est un arbre. Tu vas me dire dans Astérix, il y a bien une maison à un moment qui a un arbre en plein milieu. Là. Attends, moi quand je dis un arbre, c'est un petit arbuste, hein, c'est pas un truc de fou. Ah donc c'est un arbuste? Oui, un arbuste, voilà. Alors c'est quoi pour toi un arbre? C'est un. Bah un arbre. C'est un gratte-ciel quoi. Un arbuste est un petit arbre, donc c'est un arbre par définition. Bref. Ok. Sinon. Les tortues. J'ai rajouté aussi un petit peu de nourriture. Ah, là, c'est resté à 100 parce que ça se consomme moins. La viande cuite, voilà aussi. Bon, lui, il est pareil. Normalement, j'ai augmenté un petit peu aussi. C'est pour être tranquille hein, d'avoir un petit peu plus de baies. Voilà. Et le dino qui est ici. Le dinal.
un dinal des dinos. Hein. Voilà, qui a beaucoup de viande toujours qui périme. Et c'est grâce à, même en pourrissant, ça met à peu près 40 minutes, je crois, à pourrir. Du coup, j'ai récupéré 3 par 3. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait les narcotiques. Voilà toute l'histoire. Voilà la petite présentation pour ça. J'ai rempli aussi, évidemment, tous les trucs qu'il y a au sol, là, les lumières debout, là, comment ça s'appelle déjà, les torches, le standing, je crois que ça s'appelle. Je les ai toutes remplies de bois, voilà, ainsi que le fire qui est ici. Bon, ça y est, t'as fini alors, ton monologue, là, depuis 10 minutes. Alors, la première chose qu'on va faire, mon petit cul, c'est quoi? C'est faire des pompes, chier. D'accord. Boire une bière. Comment on fait des pompes, déjà? Comme ça. On fait des pompes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, je suis niveau 20, on va les vérifier de suite. Ou 19, voilà, mais j'ai un niveau augmenté, je vais prendre... j'essaie de m'augmenter à peu près tout, je sais pas si c'est une bonne idée, mais... la vitesse de mouvement. Voilà, et je suis donc niveau 20. Ce qui a débloqué pas mal de choses. C'est quoi ce bruit là? T'attaques à un dinal là. Je t'entends. Il y a un piranha qui est en train de se voilà. noyer là. Oui, première chose. C'est possible, pour un poisson, je sais. Première chose à faire, la voilà. Preserving Bean. On va aller voir ton poisson noyé là, ton méga. Mais piranha. Un poisson noyé, t'as déjà vu ça? Bruti. Voilà. Abruti. Alors, on va crafter un frigo, enfin un pseudo frigo. Il y a un vrai frigo plus tard. Là, pour le moment, c'est une préserve de chez moi. J'ai vu qu'il y a des flingues et tout, là. Je me suis auto-spoilé. Là. Ouais, moi, j'ai vu aussi les trucs à la fin. Je trouve ça hallucinant. Ici, voilà. Donc, il me faut de la stone, du wood, du thatch et de la fibre. Ce que j'ai en grande quantité. Oh là, attends. La lumière fut. Voilà. Donc, on avait dit. Donc, de la stone. J'ai. Oh, mais arrête de chier. Est-ce que tu peux prendre la merde et la mettre dans les trucs à l'extérieur, là, pour fertiliser? Alors je rappelle, c'est mieux de mettre des... ramasseur de merde là, attends. C'est mieux de d'avoir du fertilisant, hein, mais malheureusement, j'ai pas envie de le cramer. Attends, il me fallait quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais dit qu'il me fallait pour faire ça? Il me manque de la fibre que j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai raté? Tu cherches à faire quoi, Gadoche? Non, la fibre, un frigo. Un frigo. Oui. Alors, du coup. Alors qu'on en est encore à l'âge de pierre, tu cherches à faire un frigo. Un frigal. Voilà. Un frigal. Je vais crafter. Voilà, ça craft tout doucement, mais sûrement. Et nous allons stocker ça. Alors vous allez voir, c'est relativement hallucinant. Moi j'ai pas essayé, mais on me l'a dit, hein, évidemment. Voilà. Donc, est-ce qu'il peut rentrer ici? J'ai un doute. Mon frigal. À côté de la poubelle. Enfin, à côté de la. Mon frigal. À côté du truc à fumier. Tac. Et voilà, le frigal est arrivé. Ah oui, alors, d'accord. Ah, c'est rustique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? Pas les binouzes. Non, on va tester d'abord de mettre un peu de viande et un peu de baie. Mais pour cela, il nous faut du spark qui permet justement de conserver la nourriture. Du spark, et je rappelle, hein, qui est un mélange de pierre et de flint. Une pierre de flint donne deux sparks, pardon, je crois. Je crois que c'est ça le truc. Voilà, donc là il y en a plein. Je vais en prendre, je vais en garder juste 100, on va pas s'embêter. Et on va prendre aussi toutes les baies, parce que les baies j'en ai marre qu'elles périment en rien, quoi. Même sur les animaux, comme j'ai peur de perdre les animaux en fait, voilà. Ouais, voilà. Tu les prends jamais avec toi, les animaux. Voilà. Et ça fume, t'as vu? Ça fume comme un frigal. Allez, fais voir. Voilà, je prends les baies. Alors, les baies qui pèsent... Là, ça conserve définitivement quoi, ça, le frigo, la viande? Non, ça conserve tout. Normalement, ça conserve les baies. On va le tester. Ah, hein. Les baies, c'est pas mal, ça. Je me prends 100 de chaque. Voilà, des baies. Alors, attends une seconde, j'arrondis bien les stacks. Eh, dis donc, t'as dû latter la gueule à des dinosaures, toi. Est-ce que t'as du hide? Oui, il y a du hide, il y en a 100 et quelques. Ah ouais. Voilà, et justement en parlant de... Ah, il va faire autre chose que avec je tout, là. Alors, il me manque quoi? Il me manque du bleu, voilà. Je rappelle, voilà. Hein, toutes les narcotiques, elles sont... Oh là, je suis super lourd, là. Oui, ça, j'avais oublié que les baies, 100 baies, c'est 10 kilos, quand même. Hein. Voilà, et vous avez vu, là, en haut, je sais pas si vous l'avez vu tout de suite, l'expérience que m'a donné Cus. Voilà, on va regarder combien de temps elle dure, mais je crois que c'est tout simplement hallucinant. Je vais pas pouvoir mettre toutes les baies, donc tant pis, les autres périmeront. Hein. Donc là, regardez, 38 minutes... 22 minutes, ce qui n'est... Oh, 1h02. 1h02 pour les baies. Par contre, ça consomme du spark. A priori, 100 spark est égal à une journée réelle. Ah, le spark. Ah ouais, c'est... Je m'étais mis à farmer un peu ça, là, à un moment. Voilà. Voilà. J'allume un peu tout, hein. Et donc, là, on va ramasser la viande. Alors, je ramasse déjà les baies, hein, pour comparer. Non, les baies, il n'y en a déjà plus. Je vais aller poser tout mon bordel, parce que là, je suis super lourd. Pousse-toi. Pourquoi t'es habillé? T'as encore pris tout en cuir. Exactement. Pousse-toi. Je vais pas passer. Ah merde, en plus il n'y avait pas besoin de les faire, tu les avais déjà fait. Putain. De quoi? Et ah, je vais pas y arriver. Les fringues en cuir. Non, je les ai pas faites, je les ai trouvées dans un coffre. J'ai pas le blueprint. Ah, parce que moi je l'ai, moi.
Ah d'accord, ok, ah, oui, c'est malin. Bon bref, c'est pas grave, on s'habillera en cuir tout à l'heure. Je sais que tu aimes ça le cuir. Alors, ah ouais, surtout quand donc ma copine elle est, pas quand c'est toi. Hein. Donc là, on a tout mis. Ah non, la viande avant, la viande. Oui, bah attends, je fais cuire la viande, mais y a pas de soucis. La viande qui est dans le dinal, je rappelle. Dans le dinal. Donc là, oh bah voilà, il y a déjà une viande pourrie. On va, alors la viande pourrie, je pense qu'elle se conserve aussi. Vous avez vu, une heure ici, dans mon inventaire, 15 minutes, donc 4 fois moins. Et non, Gadu, c'est pas gérable à deux là, d'aller chercher les ressources et tout le temps là, et... parce que par exemple pour le frigal, là, il faut du spark powder. Ouais, alors en fait, c'est exactement le problème que je te disais. Ouais. Attends, je fais n'importe quoi. On a deux autres cocos avec nous là. Voilà. On va mettre 4... on va en stocker 13 viandes pour tester. Donc là, vous avez vu, c'était une heure et quelques. Dans le dinal et maintenant dans le frigal. what? Il me met qu'il reste une minute, probablement parce qu'il restait très peu de temps. Alors on va attendre juste la minute. Par contre, vous avez vu, la viande spoilée dure 2h30 dans le frigal, ce qui est plutôt intéressant. Hein. Donc voilà, ce sera notre frigo. Évidemment, il y aura un frigo beaucoup mieux après avec du courant, etc. Enfin, un truc de taré. J'attends juste, hein, vous avez vu que ça termine à zéro, il reste 35 secondes. Pour l'instant, je vais meubler et raconter de la merde. Tu es où pour que je raconte de la merde? Ah, tu veux que je raconte de la merde là, moi aussi? Non, moi, moi. Moi seulement, attends, pas toi. Pourquoi que toi là? Voilà, j'allume la t'as lumière, vous avez vu? Fait ton monologue à la con là depuis une demi-heure là? Alors, bon tour, là. Deuxième chose, la forge. On va passer à la forge directement. Je crois que la forge, je n'en ai pas récupéré, mais je vais l'apprendre. Là, on a un mortard, mais ça, Cus l'avait déjà fait. Donc, je crois qu'on ne l'a pas. Ici, nous avons aussi, voilà. Alors, des fenêtres, on en a 6 en bois. Donc je pense que pour la prochaine maison, on va pas s'emmerder à l'apprendre le truc. Hein. Si on les pose bien. Moi, pendant ce temps, je vais apprendre, j'avais dit... La forge... Le français. La forge qui permet de quoi, à ton avis? De... Une forge. Si, de forger. Oh putain. Non, tu crois? Non. Sauf que, il y a un truc intéressant. Nous avons du métal, je te rappelle. J'ai dit tout à l'heure, il y en avait je sais pas combien. Donc, maintenant, j'apprends la forge, voilà. Et normalement, on peut la refiner et faire des outils en métal. Ah, ça m'intéresse. Pas hein. du tout, et les guns et tout, là. Mais je crois qu'il faut être niveau 25 pour avoir. Donc c'est pour ça que au prochain épisode ou celui d'après, je ne sais Surtout pas. Surtout que je suis un peu en retard sur toi, moi je suis niveau 15. Hein. Ouais, bah écoute, je pense qu'on va gruger pour toi aussi, hein, parce que toi, t'auras peut-être pas le temps de farmer. Moi, en tout cas, je vais faire d'abord la refine forge, qui demande beaucoup de ressources. 125 stones, 125 quand même. Du hide, du wood. Alors il faut du hide. Alors, comment c'est? Eh, t'as encore chié. Alors attends, ça c'est quoi ça? C'est une merde. Voilà. On ramasse ça. Je sais pas si c'était à moi ou à toi. Je l'ai pas vu. Où est-ce que t'as mis le bois? Est-ce qu'il y a un coffre à bois quelque part? Bah, note fertilisée. Ah oui, c'est bon, pardon. T'as pas mis la merde dans le bac à sable? Ah merde! Ou alors tu l'as mis dans le mauvais bac à sable? Ah zut! Non mais je l'ai pas mis du tout. Ah, je me disais. Je suis pas un ramasseur de crottes quoi. Voilà. Mais dire que ça existe vraiment comme métier là. Il y a des mecs qui. Il ramassait le crottin du cheval là, tout le temps. Là. Oh là là là, bah c'est un boulot, hein. Il faut le faire, il faut ramasser sa merde hein, au cheval. Là. Donc j'en étais où, moi, à crafter ma forge? Oula, tu es lent. Tu es lent. Ah, pourquoi je suis lent? Ça te dit rien? L'homme qui valait 10 000 milliards, je sais pas quoi là. Alors, ici, oula, t'as encore chié. Non, j'ai pas chié, c'est le bruit du coffre. Flint. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Alors. Ici du flint. Ah dis donc, t'es excité là aujourd'hui hein. En fait, je suis vraiment fatigué là. Ça s'entend là, on dirait que t'as bu quoi. Hide, wood et fibre. Hide. Et tu sais, Gadu, pendant que tu fais tes trucs là. Est-ce qu'il reste du hide? Attends une seconde. Gadochouné. Oui. Voilà, Gadochouné frisé. 79 métal. Ah putain, et le hide? Attends, me dis pas que j'ai pas assez. J'en ai moi du hide. Ah, j'étais en chercher plein là. Ah, tu me fais peur, il m'en faut presque 40 hein, quand même. Hein. Lâche. Oh, tu es belle. J'ai désabusé du noob ce week-end là sur Street Fighter là, chez des amis. Pick up, voilà. Ils se reconnaissent. D'accord. J'espère qu'ils regardent cette vidéo. Ah oui. Ah bah oui, ils ont l'âge en plus. Ils ont 35 ans là. Alors attends. Et alors, c'était ironique ou? Bah, j'ai l'impression que ça avait un petit peu un soupçon d'ironie. Un soupçon. Une larme. Voilà, donc maintenant j'ai une forge, je repose le tout le bordel, vous savez bien que c'est hyper lourd, ça c'est... En fait ça devient hyper chiant l'histoire là du poids, parce que là on a des objets qui coûtent bonbons, et vous avez vu, on prend des stacks et malheureusement, du coup ça... Dis-moi Ganoche, comment tu enlèves la vue à la troisième personne? La vue à la troisième personne, tu appuies sur K. C'est K, merci, oh putain mais... Tu
mérites fort, hein. Ton diplôme de mec le plus fort sur Ark du monde, hein, sérieux là. Ah bah j'apprends, d'ailleurs j'avais encore quelque chose à vous dire justement à cet appareil. Ouais, on peut appeler les dinos là de loin. Alors, non, justement, à propos du dino. Ah voilà, ça va. Quelque chose très intéressant. Il paraît qu'on peut. Donc ça, c'est Mr. Freeze hein, qui me l'a dit. Il paraît qu'on peut. Oui, je sais, comme les glaces. Oui, je sais, les glaces à sucer. Non, mais je pensais au mec de Batman, moi. Ah d'accord. À Schwarzy, ça. C'est Schwarzy. Mr. Freeze. Encore Schwarzy. Dans le film, là. Arrête, t'es givré. Ah oui, c'est vrai, il y a une blague avec ça. Alors, on va le voir aussi. Hein. Vous allez voir, je vais vous apprendre quelque chose aussi à propos du Spark, justement. Et donc, Mr. Freeze qui m'a dit que pour tamer un animal, notamment carnivore, tu l'affames totalement. Ah ouais? Et là, dès que tu lui donnes un bout de viande, 80% de timing d'un coup. Pas mal, hein, ça, hein? Ça sent l'expérience empirique, ça, quand même. Alors, à vérifier, parce que je me méfie, il paraît que pour les ptérodactyles, ça ne marche pas. Ou les pteranodons, comme tu veux. Comme par hasard. Enfin, comme par hasard. Peu importe. Je ramasse un petit peu de spark, puisque vous savez que le spark permet aussi de cramer, étonnamment. Est-ce que dans la forge, ça fonctionne? J'allais voir pour le métal, mais j'ai un doute que... Je pense qu'il faut un blueprint, un truc comme ça pour le faire. On va tester. Vous savez quoi? On va tester. Alors, access inventory. Je mets le métal. Normalement, ça me fait des lingots. Mais peut-être que je crois au Père Noël. Je ne sais pas. Au truc du Père Noël? Au truc du Père Noël. Il n'y en a pas sur le serveur des trucs du Père Noël, c'est dommage. Non, il n'y a pas d'animaux récents. Mais tu sais qu'il existait des cerfs un peu bizarres à une époque, là. Sur avec Ark. des bois, mais gigantesques, quoi. Ah bon? Non, mais sérieux, tu te renseigneras. J'étais pas au courant. Bon, par contre, on m'a dit qu'au niveau des dinos, tu failais un peu. Hein, mais bon, ça, je dis ça, je ne dis rien. Bah voilà. Justement. Ah, c'était pourquoi ici, je fail encore hein. Ici. Bah, il paraît que tu racontes de la merde. Pétu allusion, diplomocus, quoi. Je ne sais pas, je... Ainsi moi, je... que Vélociraptor, à plume. On a un lingot, excuse-moi de t'interrompre comme ça, je jouis, on a un lingot. Deux lingots. Il me coupe à chaque fois, quoi. On va faire du lingot, hein, vous allez voir. Et le Spark Powder marche donc très très bien. Je rappelle, hein, le Spark Powder, c'est une minute, je crois, de combustion. Alors que le bois, c'est seulement 30 secondes. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Par contre, il faut deux cailloux et un flint, mais aucun bois. Donc ça peut être aussi intéressant si vous avez beaucoup de cailloux et de cailloux, je disais, et de flint. Alors, nous allons voir aussi où sont les compost bins, là. Puisque j'en ai fait plusieurs. Ah bah voilà, encore un sac de fertilisant de gagné. Ça, c'est cool. Ici, nous avons quoi? Ah oui, alors, effectivement, j'ai trié par taille de merde les trois poubelles, là. Donc, small, medium et human. Les big, il n'y en a pas encore, des big. On en a eu très très peu, donc voilà. J'ai reposé, en tout cas, le sac de fertilisant. Donc, vous avez vu, ça avance tout doucement. Enfin, je farme beaucoup, j'allais dire on farme, mais non. Je farme tout seul. Ah non, moi, je fous rien, moi. Voilà, tu fous absolument rien. Moi, je suis le touriste, rien. Moi. En même temps, il fait noir, donc ça nous arrange bien. Alors, ça en est où, ça, pendant ce temps? Access Inventory, donc les lingots fondent, hein. Écoute, voilà, le Spark, il y en a eu deux de cramés, ça m'a fait 5 lingots, donc c'est plutôt rentable. Le frigo, ici, j'avais parlé de la viande tout à l'heure, la viande, 1h30, hein, alors que dans le dino, c'est pas 1h30, hein, c'est moitié moins, et encore, je suis gentil. Par contre, alors ça, vous pouvez le dire dans les commentaires si vous le savez, il me semble que la viande peut être fumée. C'est-à-dire qu'en fait, là, le Preserving Bin, pour moi, c'est un fumoir. Et résultat, il va fumer la viande, ce qui va la rendre encore plus préservée. Par contre, au niveau du timing pour les animaux, je ne sais absolument pas ce que ça peut donner, malheureusement. Donc ça, alors, c'est... Regardez, attends, chut. Oui, attends. Je vais dire une bonne fois pour toutes ce que je pense des dinosaures, hein, puisque quelqu'un t'a interpellé dans les commentaires. Nous ne citerons pas son nom. Oui, vas-y. D'accord. Oui. Donc je dis, le diplodocus, je sais ce que c'est, par rapport à un brachiosaure. Le brachiosaure, lui, il a un cou un peu plus long et il a surtout une crête sur la tête avec un trou dessus. Comme toi, en fait, toi. Voilà, comme moi. Et le Diplodocus, lui, il a une tête plus allongée. Bon, alors, dans le jeu, j'ai pas fait gaffe si c'était l'un ou l'autre. C'était juste pour la blague que je disais Diplodocus. Voilà, la personne se reconnaîtra. Quant au Raptor, il n'en existe pas plusieurs sortes, il n'en existe qu'une sorte. Ah, tu es... Jurassic alors... Park, elle est fausse. Ah. Je le sais, Gadu, t'es d'accord avec d'accord. moi? D'accord, là, je comprends mieux, excuse-moi, d'accord. Donc, je t'écoute, vas-y. Mais à l'époque du premier Jurassic Park, ils ne savaient pas encore. Ce sont des découvertes récentes qui ont prouvé que les Raptors avait bel et bien des plumes. C'est marqué sur Wikipédia, il y a un lien vers un article scientifique, vous irez voir. Bref, ensuite leur taille, puisqu'on m'a dit, ils sont grands et tout. Non, c'était pas grand les raptors, c'est les Utahraptors qui étaient grands et les Deinonychus. Les raptors étaient grands. Mais attends. Comme des dindes. Un Utahraptor, c'est quoi alors? Bah, c'est une autre sorte, c'est la même race. Mais quoi. Tu m'avais dit qu'il y en avait qu'un. C'est comme les chiens, il y a plusieurs sortes. Attends, tu m'as dit qu'il y avait un seul raptor, tu viens de me le dire tout de suite. Non, j'ai.
Ah non, dans le commentaire, c'est mis qu'il y a plusieurs sortes de vélociraptor. C'est pas mis plusieurs sortes. Alors, de raptor. Je t'interromps avant d'oublier ce que j'allais dire. Juste 30 secondes, même pas. Oui. Apparemment, pour crafter les lingots, il faut deux métals craftés sur les cailloux pour faire un seul lingot. J'espère que les lingots sont bien la ressource qu'on a besoin. Hein. Sinon, là, je suis en train de faire des lingots absolument pour rien. Bon, pas grave, oublions, continue. Continue, tu parlais des, Les raptors. Ceux qu'on voit dans les films, c'est soit des Utahraptors, soit des Deinonychus. C'est les mêmes en plus grand, quoi. Mais les raptors, enfin les vélociraptors étaient petits. Alors, à plumes. On m'a parlé aussi de ceux qui crachent du foutre, là. Alors ceux qui crachent du foutre, les... les dilos. Les dilophosaures ne crachaient pas de foutre. Voilà. Ni de venin, alors, ni de merde verte, ça, ni de merde gluante. Ça, ils crachaient rien. Alors, et en plus, on m'a dit que t'avais tort. Ah bah non. Et en plus, ils avaient pas de crête. Bah il a pas de crête, tu vois, il a rien, c'est pas une crête ça. Si, quand il crache la merde, il y a son truc qui se déplie autour de la tête. En fait, ils avaient pas de crête, rien ne prouve qu'ils en avaient une. Non, c'est mais... du folklore dans Alors justement, la personne qui me l'a dit, je me souviens très bien, m'a dit clairement, je sais qui c'est, je vais pas le dire hein, évidemment pour pas attiser la haine, comme on dit. La personne qui me l'a dit m'a dit que clairement, elle n'avait pas de crête du tout et des. Excuse-moi, je te la refais. De récente. Alors. La personne qui l'a dit pourra le mettre dans les commentaires pour confirmer hein, si elle voit cette vidéo, mais normalement oui, elle m'a dit qu'elle voyait toutes les vidéos de Ark. Alors, a priori, donc, ils ont prouvé. En quoi j'ai tort, hein ? Ils ont prouvé ces derniers temps que c'était vrai, qu'ils pouvaient déplier les oreilles, faire coucou comme ça avec les oreilles et cracher du foutre. Ouais, les oreilles ? Bah depuis quand les reptiles ont des oreilles d'ailleurs ? Enfin, les oreilles, enfin le truc qui est à côté des oreilles là. Les appendices quoi. Ouais, ça, si tu veux, ouais. Les feuilles de chou là qu'ils ont qui crachent du truc. Il peut cracher du foutre quoi. Du foot. Oh là là, on rigole. Moi, ce que je voulais faire, en tout cas, c'était... Et le Dilophosaure, c'est l'inverse. En vrai, il est plus grand que dans Jurassic Park. Moi, ce que j'aimerais... Alors que le Vélociraptor, ils l'ont grandi dans Jurassic Park. C'est regarder justement les nouveaux items qu'on peut avoir. Alors, nous avons les flèches tranquillisantes, que je vais peut-être prendre, sachant que je vous rappelle, il nous en reste 19. Et surtout, un truc qui va te beaucoup te plaire. Mais par contre, je crois qu'on va pas avoir le cuir qu'il nous faut. Alors... Parce que là, tu vas être content. Mais ce sera probablement pour le prochain épisode. Alors, les vieux auront vu, hein, je laisse la surprise pour Cus. Il me faut combien de cuir ? Je suppose qu'il faut du cuir, hein, vérifier. Il me faut... Oh la vache ! Il faut 140 cuir. Alors là, tu vas farmer. Hein. Là, on va farmer toute la fin de l'épisode, mon coco. Le reste, on a 140 cuir et il nous en reste... Pas de soucis. Si tu l'avais pas pris pour faire tes habits à deux balles... Pourquoi il reste que 18 hide, alors ? Alors, le Dilophosaure, effectivement, il avait peut-être une crête osseuse, mais pas de foutre. Alors, tu racontes avec ton foutre là. Qu'est-ce qu'on va faire à ton avis ? On va prendre. Je vais me refaire un lance-pierre. On va aller vraiment chercher du hide parce que là, 140, ça va être très compliqué, je pense. Et très très long surtout. Alors, je vois déjà une tortue au loin là. Donc, il va nous falloir du kayal ainsi que de quoi faire un lance-pierre. Tu as combien de lance-pierres sur toi ? Il en faut deux. Alors, je vais t'en crafter un, t'en fais pas. Qui demande aussi du cuir, je suis sûr. Gagné. Donc on va cramer du cuir. On va s'en faire plusieurs justement pour les assommer avant de les tuer. Tu me diras. Alors effectivement, Gadoche, dans ce que tu dis. Hein, oui. Les Dilophosaures avaient une espèce de double crête, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font dans Jurassic Park et dans le jeu. Ça servait pour la parade amoureuse. Enfin, ce qui. Comme un pan. Comme un. Suppose. Hein. Comme un pan, c'est ça. Ouais, peut-être, ouais. Attends, par contre, je passe devant. Enfin, je suis un petit peu perturbé, je suis absolument désolé. Nous avions besoin donc de fibres, de bois, c'est ça ? Pas de pierre. C'est marrant, comment ça se fait que dans Jurassic Park, celui-là, ils l'ont diminué, et puis le Vélociraptor, ils l'ont augmenté, quoi. Ça, je comprends pas, quoi. Et je vous réserve quelque chose d'épique pour le prochain épisode. Enfin, d'épique sans fail, évidemment. Ça, c'est pas gagné. Alors, je craft deux lance-pierres. Oui. Tu vas prendre un petit peu de cailloux sur toi, je pense que une dizaine, une quinzaine suffira. On va aller endormir des animaux et ramasser leur cuir. Oh yeah. D'accord, donc uniquement à la pioche, hein, le cuir. On est bien d'accord. À la hatchet, c'est des steaks. Ah, j'ai pas de pioche non plus, moi. Alors, attends une seconde. Là, c'est quoi, je vais en crafter d'autres, là, si on a assez pour le faire, parce que... Qu'est-ce qu'il me manque pour en faire un, en fait, là, encore ? Il me manque de la fibre. La fibre n'est absolument pas un problème. Donc on va se servir ici, voilà, de 100. Et je vais même en faire encore deux autres, parce que là, on va y aller franco. Voilà. Donc on en a, toi t'en as deux, moi j'en ai deux et un peu plus, hein, voilà. C'est pour être large, parce que là, de la hide, il va en falloir. Alors, il nous reste donc 14 hide. Je vais reposer le reste comme d'habitude, comme vous savez, parce que je suis bien organisé. Voilà. Le bois ici,
Access Inventory, le bois. Ah, c'est pas ici. Pas ici, je me plante. Je me plante, je suis fatigué. Le jour arrive, ça tombe hyper bien. Je vais poser aussi le hide, ici. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est pas grave. C'est clair. J'ai le hockey en même temps en plus. Alors, tu es où? Faut que tu sois devant moi, parce que si ça dispawn, je vais être fou. Non, je suis en train de poser des tuyales. Comment c'est en train de poser des tuyales, en fait? J'ai le droit. Comment tu les poses en l'air, les tuyales, là? Ah, alors, les tuyales, c'est compliqué. Il faut une pompe. Ça, c'est le premier truc du tuyau, en fait, une pompe. En fait, après, j'en ai récupéré dans un coffre, là, en allant me balader dans la forêt. Hein. Après, ici, là, c'est un truc incliné. Et après, c'est un truc droit, et un embout. Ça ira plus vite. Mais hein, les embouts, on les a déjà. Hein. Attends, t'as récupéré ça, en fait, dans des coffres, c'est ça, de couleur? C'est ça. D'accord, bon, vas-y, donne, alors. Ah, comment? Bah, drop, voilà. Voilà, nickel. Oh là, c'est quoi, ça? Oh, c'est un truc compliqué, ça. Attends, 3, comment t'as fait ça? Oh là là, c'est quoi tout ça? Il y avait combien de trucs, sans déconner? Voilà! Qu'est-ce qu'on dit? Il y avait une compost bin aussi. Surtout alors, que t'as pas remarqué qu'il y avait deux trucs au sol en plus? Donc ça, on en a besoin. Par contre, je crois qu'on n'a pas tout. Ah, imbécile! Excuse-moi. Oui? T'as pas remarqué qu'au sol, il y avait deux carrés en plus, cher ami? Si, bah t'en as. Ah, tu les as récupérés aussi en même temps. Je vais tenter de les poser si tu veux, juste pour te montrer. Ah, et puis j'ai mis un truc vertical ici, là, je savais pas où le mettre. Hein. Alors, regarde, un bâton vertical. Là. Enfin, ça c'est totalement inutile du coup. Bon, ah c'est ouais, pas grave. Je savais pas où le mettre à part. C'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que je vois pas l'intérêt. Bah si, peut-être pour avoir ça sur plusieurs étages. Tu sais quand t'as plusieurs étages. Par contre, là j'aimerais bien l'utiliser, je n'arrive pas à l'utiliser. Pourquoi? Use item. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Il ne pose pas au sol pourtant. Ah, peut-être qu'il veut pas le poser au sol, il faut peut-être le fixer sur un. Je comprends pas. En fait, là, normalement, il me semblait que c'était ça la pompe. Hein. Bon, bref, on va poser ça en intérieur. On verra après pour ajouter des cultures à mon petit cus. Ouais. Parce que sinon, ça va prendre du temps. En tout cas, nous allons aller chasser. Mais avant, nous allons nous laisser, malheureusement. Puisque cus a traîné, on n'a pas eu le temps d'aller taper de l'animal. Oh, culé, quoi. Ah, en fait, ce qui a pas été prouvé, Gadu, c'est que la collerette du dilophosaure, voilà, c'est ça. C'est ça la nuance. Je sais que ça t'intéresse. Ça t'intéresse? Vas-y, raconte-moi. En fait, dans le film Jurassic Park, ils ont mis n'importe quoi en couleur. Bah tiens, bah dans Ark aussi, tu vois, il y a des couleurs super vives et tout. Et ça, il n'y a aucune preuve. De toute façon, il n'y a aucune preuve tout court, les amis, que les dinosaures étaient de telle ou telle couleur. Hein. On s'inspire des crocodiles d'aujourd'hui, c'est tout, quoi. Et ça se trouve, ils étaient verts à petits pois. On le saura jamais, ça. Verts à petits pois, ça m'étonnerait, quand même. Ouais, ça m'étonnerait, mais théoriquement, ils ont la même couleur de peau que les reptiles d'aujourd'hui. Mais il n'y a aucune preuve, on peut pas savoir. C'est pareil pour les cris, hein. Ouais, ça va aller ici. Les cris des dinosaures, bah, c'est folklorique, c'est alors, la même chose. Par quoi. Contre, les cris, ils ont pas récupéré des morceaux de pierre qui pourraient, en soufflant dedans, tu vois, donner le prix à Ouais, bah alors ça, c'est la théorie de Jurassic Park 3, là, quand ils soufflent dans le truc, là, et qu'ils communiquent avec les raptors, là, super. Ah oui, c'est vrai que, ouais, le coup de... Ils sont allés loin, là. Alors. Faut savoir, les amis, que les dinosaures, le plus intelligent qui était le trodon, alors je sais plus comment ça s'écrit, mais je crois que c'est comme ça se prononce, était aussi con qu'un lapin. Hein. C'est pas les dinosaures de Jurassic World. Hein. Comment on équipe les animaux de... Arrête de chier comme ça. Comment... Alors attends, faut que j'augmente de niveau d'ailleurs. C'est les dinos. Ouais. Je vais lui mettre plus de poids parce qu'on a besoin de poids. Est-ce que les flèches, on peut aller les récupérer une fois qu'elles sont lancées? Comment on fout les lunettes aux dinos? Ah si. On peut pas? Pas sûr. Pardon? Les lunettes, alors le triceratops, je suis sûr qu'on peut. Qu'est-ce qu'il va faire avec les lunettes? J'ai pas compris. Hein. J'en ai vu un. Bah le mettre sur le dino. Un dino à lunettes. Mais ouais. Là, ça marche pas. Dino à lunettes, dino à... Quéquette. Alors, si vous savez comment... si vous savez comment mettre les lunettes sur les dinos, je suis très intéressé. Oh là. Ah, oh, il a chié. Oh, non, je ramasse sa merde. Voilà. Alors, j'ai reposé tout ça, hein, tant pis pour les lunettes. Dino à lunettes, tu sais, voilà, on sait. Pourquoi tout est allumé ici, là? Tout est allumé. J'adore, ils montent de niveau sans rien faire, quoi, les dinos. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on leur donne quelque chose à faire. Regarde, tu peux siffler pour les faire venir. Alors, tiens, j'ai un petit boulot pour toi. Tu peux mettre 50 touch dans le dernier coffre, la bine. Touch? Mais ils sont où, les touch? Il y a un coffre à touch, hein, tu peux pas le rater. Moi, j'ai remis les lunettes. Dans le... Il y en a un qui en a 3, en fait. 3 middle... Medium, pardon. Yes. Medium, machin. C'est bon, hop, c'est parti. Voilà. Et là, il suffit d'attendre un alors, attends, demi, c'est ça, hein. Je te donne les lance-pierres. Voilà. Oh yeah. Voilà.
Prends-toi des cailloux. Alors les caillals, ils sont où là? Les caillals, ils sont ici, là devant moi. Moi j'en prends 33, ce qui suffit largement. Donc toi tu prends un demi-stack, si tu veux que je te le prenne. Non, non. Oh bah tiens, ouais, vas-y, ouais, fais ça là. Voilà. Voilà, comme ça il n'y aura pas de fail. Encore que. Attends une minute. Ouais, si, c'est bon. On va faire ça. Voilà. Et voilà, vous avez Attends, vu. Peut-être qu'on mange un peu avant de partir à l'aventure, Gadoche. On divise pour. Ramasse le truc par terre là, vite là, parce que ça se décompose là, il reste plus que 2 minutes. C'est quoi ce bruit là qu'il y a dans l'eau là? Mais dites pas que c'est un. Une saloperie. Est-ce que Gadu, la viande cuite, on peut la mettre au frigal? Oui, bien sûr aussi. Hein. Ramasse tout ce qu'il y a par terre là, c'est important. Ramasse les deux. C'est là, tiens ça. Non, il y en a deux chacun, parce qu'on va aller en taper pas mal. Donc il en faut deux, parce qu'ils vont s'user. Ah oui, alors attends, je redépose l'arc, sinon on va failler là. Voilà, oui, redépose tout, hein, parce que là, prends juste une pioche avec toi. Une pioche j'ai et une... pas de pioche non plus. Oh, bon écoute, tu vas te la faire hors vidéo, et du coup, nous allons nous laisser. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tweeter, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et nous vous disons à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Oh, bye, bye.